Et bonjour à vous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Japan Tour Festival. Allez, c'est parti! Japan Tour Festival, c'est 3 jours de pur bonheur avec 3 halls et des pôles vraiment très variés. On peut y trouver du manga, des jeux vidéo, mais aussi du traditionnel et également de nombreuses animations et concerts. Si tu cherches des figurines, des goodies, des vêtements, des objets en lien avec le cosplay ou le manga, eh ben, autant te dire, tu as du choix. Si tu veux refaire la décoration de chez toi, il y a de nombreux posters et décorations en tout genre. J'ai eu la chance de pouvoir assister à une animation avec Ayami Michel, mais aussi Brigitte Lecordier, et le tout autour d'un Taiko no Tatsujin, qui est un jeu sur Nintendo Switch, et autant dire, il y a du rythme. Allez, aujourd'hui, on arrive à un magnifique stand Mad Max avec une belle voiture, des jolies filles. Franchement, c'est plutôt pas mal. Voilà. Si tu es comme moi et que tu es fan du Japon, autant te garantir que tu ne vas pas être déçu. Au programme, il y avait de nombreuses animations, des ateliers, mais aussi des représentations de divers arts et traditions japonaises. Pour ceux qui étaient présents à Japan Tour Festival, il y avait possibilité de venir me rencontrer à mon stand. J'étais aussi en conférence le samedi en compagnie de Haim Rodolphe et Mission Japon. Je pense que le truc pour rester quand même assez caché, parce que moi j'ai une expérience aussi, j'ai un gros tatouage dans le dos, dans la moitié du dos. J'ai réussi à faire des onsen l'année dernière, mais j'avais pu baptiser. Et j'en ai fait un autre, où là c'était dans un gros hôtel public. Tout le monde pouvait y aller dans le nouveau métal, il y avait 57. Et là par contre, on m'a recalé direct. Mais bon, j'ai quand même compté le truc. Je suis rentré, j'ai surveillé, il n'y avait personne, j'ai mis la serviette sur les épaules, discrètement, j'ai dit c'est bon. Et puis après, voilà, j'ai pu y aller, j'ai pu en profiter, donc ça a été top. Après, il y a des Japonais qui sont arrivés, donc je suis resté plaqué, le dos contre la paroi, donc discrètement, j'attendais tranquillement. Mais franchement, voilà, ça s'est bien passé. Mais ça m'est arrivé justement de me faire recaler sur des enseignes à plusieurs reprises, malheureusement. Thank you.
Voilà les amis, ce week-end à Japan Tour se termine. Ça a été vraiment un excellent week-end. Un grand bravo à tout le staff pour avoir géré pendant tout le week-end. Franchement, ils ont été au top. Nous, on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et puis, bien entendu, tu peux continuer à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, bien entendu, où je poste pas mal de photos et de petites stories. Et puis, nous, en attendant, on se dit à très bientôt. Allez, porte-toi bien. Ciao! Pas mal le décor, hein? Ça fait classe. Faudra le même.